J'arrive au restaurant inclusif du Mont Cornu où je vais aller interroger l'initiateur du projet de ce restaurant particulier parce que je veux dire, il y a une ambiance fabuleuse là-dedans. C'est génial. Cette idée qu'a eue M. Gaëtan Flamand d'être l'initiateur de ce projet qui porte ses fruits aujourd'hui. Hein, il a commencé avec une poignée de clients. Maintenant, tu as intérêt à retenir, parce que le dimanche, les jours fériés et tout ça, aussi bien le midi que le soir, tu as facilement 150 clients, quoi. Donc, on ne peut pas aller au-delà, et donc, faut s'y prendre de bonne heure. Du Mont Cornu. Et c'est là-haut, tout en hauteur. Et c'est chouette, ça sent déjà les frites. Voilà, bon, là, c'est mademoiselle. Génial. Merci. Enchantée. Mademoiselle Nathalie qui m'amène une bière avant l'interview, il faut, parce que après on a la gorge sèche, tu comprends? Oui, ben, je pense bien. Là, on d'ailleurs, a Lucas qui vient de passer dans le champ de la caméra là-bas. Et puis là, on a Chloé. Alors, c'est pas ma petite fille Chloé, hein, c'est Chloé qui travaille là, maintenant. Monsieur Lucas, il y aura assez de frites pour moi ce midi, non? Oh, ben ça va aller. Bon alors, on fait un petit tour d'horizon. Voici le restaurant avec le bar là-bas au fond. Et puis on va aller faire un petit tour sur la terrasse parce que nous sommes au-dessus d'un village médiéval. Et là, ça vaut la peine. Donc on peut prendre l'apéritif ici. Et puis, ben, on a vu sur le village médiéval là-bas. Avec les toits en chaume et tout ce qui s'ensuit. Et la forêt autour. Bon alors, je suis, tout du moins, dans le restaurant inclusif du Mont Cornu. Face à moi, à ma droite, Maud, à ma gauche, le patron, M. Gaëtan Flamand. Donc Maud, je te laisse un peu me raconter ta vie ces derniers temps. Tu as eu un chèque, paraît-il, un chèque énorme. Oui. Tu me le présenterais bien à la caméra quand même. Oui. Non, je vais le mettre derrière toi, bouge pas, regarde. Comme ça, derrière moi. Ben oui, regarde, comme ça. Ah, dis donc. Ah ouais, comme ça là. Non, non, lève un peu. Non. Comme ça. Descends un peu. Descends. Voilà. Donc, ah oui, t'as eu un salaire. Alors, monsieur Gaëtan Flamand, t'as payé 1000 euros ce mois-ci? Oui. Non, je vois que c'est pas monsieur Flamand, ça vient du Groupama Nord-Est. On va dire ça. Madame. Donc, 1000 euros, la commission pro des Ardennes, le 22 avril 2024, il y a peu de temps en fait. Hein. Donc, c'est attribué au restaurant Le Mont Cornu. Donc, monsieur Gaëtan Flamand, lui, c'est l'initiateur du projet de ce restaurant inclusif, oui, qui marche à feu de Dieu, puisqu'il faut retenir quelquefois longtemps à l'avance. Beaucoup de temps à l'avance. Et, voilà. Et notamment le week-end et les jours fériés, comme hier, Nathalie m'a dit qu'il y avait eu, combien, 150 clients le midi? 121. 121 le midi? Non, 121 non, total. Je sais pas, là, à 121 total, midi et soir. Midi et soir. Mais il est quand même plus prudent de réserver. Bon, Maud, parle-nous un peu de ton chèque, là. Oui, pour ça, c'est juste un carton, mais c'est pas grave. super génial. Ça, tu le mettras pas. Oui, mais et toi, est-ce que tu es payé ce prix-là, toi? Ton salaire, il est comme ça? Bah non. Pourquoi?
Enfin, si, c'est plus. Ben non, il n'est pas comme ça. Non, c'est un 5. C'est 10 fois plus, toi, parce que tu travailles. Ah, oh, ben oui, je travaille depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet de l'année dernière, Maud. Ça va faire 2 ans. 2022. 2 ans, ah, le 2 juillet 2000. Donc, t'étais aussi tout au début du projet, Maud, alors. Oui. C'est grâce à toi, tout ça, aussi. Parce que monsieur Gaëtan Flamand, lui, il est content d'être ici et de chapeauter l'équipe. Ah, mais, oui, sans, ça, oui. Mais sans toi, Maud. Ben, il n'y aura personne à part la trismie, va-t-il. C'est génial. J'adore. Je suis aussi normal. Mais j'adore ton humour, tu sais. Oui. Bon, allez, raconte-moi un peu ta vie ici. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que tu es content de tes collègues? Est-ce que tu es content de... On va dire oui. On va dire oui. Ah, c'est global, ça, oui. Et dis comment, si sans toi, ça fonctionnerait. Non, entre dans vos yeux. D'accord, ok, j'en entends. Entre dans vos yeux. Je disais que mon patron va dire qu'elle est super chouette. Ah, mais tu sais que c'est notre avis à nous aussi, parce que je ne fais pas que faire des films, je suis aussi de temps en temps un peu votre client. Et c'est vrai, je suis toujours bien accueilli ici par les uns, par les autres. Et puis toi, bah, t'es le soleil d'ici, parce que t'as toujours plein de bêtises à me raconter, à me faire rire. Je n'ai pas de bêtises, mais j'ai plein d'humour, oui, c'est vrai. Oui, mais en plus, t'as la chance de connaître mon fils Frédéric. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Et ma petite fille Alexandra. Aussi. Voilà. Et alors, tu ne m'as pas présenté ta nouvelle collègue. La nouvelle collègue. Chloé. Oui. Lui, viens te montrer. Mmh. Ah, voilà. Viens te montrer à la caméra. Tu vas te mettre entre monsieur Flamand et Maud. Voilà. Chloé, c'est la dernière arrivée. Voilà. Dis-nous un petit peu, Chloé, qu'est-ce que tu viens faire là? Est-ce que tu aimes bien Maud? Oh, ben t'as... oui. J'aime bien Maud. Voilà. Elle a agréable à travailler. Oui, et puis t'as vu le câlin qu'elle t'a fait en arrivant? Oh ben oui. Oh, c'est formidable. Donc t'es contente toi d'être ici aussi? Oh oui, oui. Bon. Donc Chloé, t'es une bonne directrice ou pas? T'es directrice toi? Comment ça? Bah on m'a dit que c'était toi la directrice maintenant. Parce que monsieur Flamand est ton employé. Manager plutôt. Manager. Ah c'est ton manager. Oui. Alors, donc, il faut savoir qu'elle est en train de me claquer là. Non mais c'est bien, elle est en train de te filer un chèque de 1000 euros. Oui, non, elle est surtout en train de me claquer en dessous. Je réponds à ses questions. Il faut jouer dans son jeu, a-t-elle dit. Hein. Ouais. Bon, et alors monsieur Lucas, tu nous dis bonjour quand même. Et dès le bonjour quand même. Viens. Monsieur Lucas, c'est l'assistant de madame Nathalie. Hein, voilà. Le monsieur Rousseff, oui. Bon, Lucas, un petit coucou à la caméra, viens ici. Voilà, coucou. Et Nathalie. La scène de la cuisine. Mais non, mais viens Nathalie, parce que Nathalie, sans ton savoir-être et ton savoir-faire, on mangerait la queue des cerises. Viens nous faire un petit coucou. Il faut soutenir Maud en fait. Hein. Coucou. Et merci pour tout ce qu'on mange. La directrice générale. Et monsieur Flamand, merci pour tout ce qu'on boit. Voilà. Comme oui. Directrice générale. Voilà. Directrice générale. Oui. Donc parle-nous un peu, Gaëtan, de l'évolution depuis le début, depuis la création. Parce qu'au départ, tu avais une poignée de clients. Maintenant, c'est maintenant, deux poignées, voire trois poignées. Et maintenant, il faut retenir. Il faut retenir, oui. Comme tu dis. Oui, oui. Tenir beaucoup. Il faut retenir combien de temps à l'avance? 180. Je dirais 3. Ben, 3 ans? 3 mois? 3 jours? Les deux. Dans 3 mois. Ah, 3 mois, oui, quand même. Non, peut-être pas quand même. Vas-y, dis ce que t'as sur le cœur. J'en ai aucune. T'as rien du tout? Si, mais... T'as envie de continuer de travailler ici ou pas? Bah si, bah, évidemment, je reste. Ah bon? Donc t'es bien ici? Bah oui. Tu restes, il faut préciser quand même à Philippe que ça, on concourt pour le Grand Est. Oui, le Grand Est, oui. La suite. Oui, j'allais dire. Le Grand Est. Est, pas le Grand Est. Le Grand Est. oui. Oui, parce qu'il va y avoir peut-être une suite. Peut-être. Peut-être ou certainement? Peut-être, on saura ça le 13 mai. D'accord. Et donc ça peut aller assez haut, non? Après, c'est en national. Chapeau. Chapeau. Ah, si c'est en national, on monte dans un bus et on y va tous le défendre. Ah oui. Au oui, ça. Paris. Paris. Grosse Paris. Tour Eiffel. Mickey. Ah oui. Les bateaux mouches. Et vous allez Disney, non, vous non, dire. Non, Disney. Disney, ouais, ah, t'as oui. Raison. Disney. Voilà. Avec une odeur, parce que quand j'arrive ici, je disais à Nathalie, il y a une odeur de frites. Mais elle m'a dit, dans les parcs, il y a des odeurs de frites de barbe à papa. Ouais.
J'adore les papa papa. Et à des ennemis en plus. Bon, on va terminer cette interview. C'était pour voir un peu l'évolution de ton restaurant, Gaëtan, parce que c'est formidable. Moi, j'applaudis. Avec mes deux mains, c'est mieux quand même. Hein? Mieux. Avec, avec mes deux mains, oui. Et puis, tu vas faire un petit coucou à mon fils Frédéric, parce qu'il me parle souvent de toi. Donc, tu dis bonjour oui, Frédéric. Moi aussi, je fais le bonjour. Hein. Bonjour Frédéric, tu lui dis. Et puis, tu vas terminer comme ça, avec ton doigt en avant, et tu lui dis, en regardant bien la caméra, Frédéric, et puis c'est tout. Hein? Et puis c'est tout, Frédéric, tu lui dis. Vas-y. Et puis c'est tout, Frédéric. Non, avec ton doigt. Avec ton doigt en avant. Et puis c'est tout. C'est tout. Attends, attends, c'est pas fini? Non. Et on continue, et puis c'est tout. En tout cas, merci pour ce joli moment. Donc, vous voyez ici, c'est plein de rire, c'est plein de vie. C'est magnifique. Là, je suis venu c'est un ma peu vie, à l'avance. C'est ma vie, je l'ai choisi. C'est ta vie, tu l'as choisi, c'est oui. Bien. Non, tu ne l'as pas choisi. Si. On te l'a offert. Bah oui. J'ai envoyé un message. C'est mieux. J'ai envoyé un message à Artus. Qui est Artus? Celui qui a fait le film. Ah d'accord, ah voilà. Ah, oui. Oui, il va te prendre peut-être alors Artus. Il faut que tu sois bien hein, dans celui-là de film, parce que ça va aller sur YouTube ça. Et si oui, ça va... Ah oui, parce que je connais bien YouTube aussi. Hein. Ben voilà. Et si c'est ça la va... Meilleure. C'est la meilleure. Ça va peut-être être trop. Et hein. Si ça va, on va envoyer le lien à Artus. Hein. Ouais, pourquoi pas, Orpi. Et si ça va, peut-être qu'il va te prendre dans sa prochaine production, parce qu'il va y avoir une suite. Ouais, t'aimes bien. Alors, il paraît que t'as bien rigolé avec ce film hier soir, m'a dit Nathalie. Oui, c'est que c'est Orpi qui fait rire. Orpi, c'est Clovis Corinette. Ah d'accord. Ouais, d'accord, peu importe. Parce qu'il faut lui choisir un nom. Donc, c'est un nana, en fait, c'était moi, en fait. C'est toi. En vrai. Oui, parce qu'il y a une petite trisomique là-dedans, qui est belle comme tout, comme toi. Bah, je sais, non, Marie avait mon prénom dedans. Ah, dis donc, c'est formidable ça. Qu'est-ce que tu veux de mieux? On dit au revoir à tout le monde? Oui. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Et puis, à bientôt, tu crois à, bientôt à Turus. Mais comment vous êtes dame, c'est mec? Bah oui, hein, c'était tous en fait. Artus par Turus. Artus, oui, c'était Artus. Oui, si tu commences déjà à écorcher son nom, t'es, pour le prochain casting, c'est foutu allez, pour toi. Hein. Voix, hein. C'est foutu. Alors, je vais plaider ta cause. Je vais le contacter. Ok. Maintenant, je te promets pas qu'il t'embauchera hein, dans sa prochaine production. Mais avec ce petit bout de film que je fais, parce que bon, il est certainement sur les réseaux sociaux, on va partager, m'a dit Nathalie, avec ce monsieur-là. Il le dit. Et il verra qui est Maud et que c'est pas n'importe qui. Oui, parce qu'en plus, j'adore le foot d'ailleurs. Ah bah alors. Et tic. Et claque. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Astuce. Astuce.